Salut le peuple, veuillez excuser ma dégaine, je suis enrhumée, en plus j'ai mes règles, donc franchement le combo de malade, je sais pas comment je vais faire pour débouler demain, parce que ouais, en fait on est samedi, et c'est la saison carnavalesque, et je déboule demain dimanche, à mon tapitre. C'est la première année où je vais dans un groupe, je suis dans un groupe à Pau, je suis dans Nation, et là je suis en train de finaliser mon costume pour demain. Ouais, j'avais toute la semaine pour le finir, mais c'est la veille pour le lendemain, effectivement, comme d'habitude, que je m'y mets sérieusement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas filmer le processus? Enfin, le processus. Là, le truc est assez simple, en fait. Je dois juste couper des bandes et les coller sur ma jupe, en jute, enfin mon pagne qui sera en jute. Donc, ça se présente comme ça. Il faut des petits trucs comme ça, là, pour les coller sur le pagne. Franchement, c'est la première fois que je fais de la couture. J'ai cousu mon truc. Et je suis quand même assez fière de moi. Ça commence à ressembler à quelque chose là. C'est pas mal. Hein. Alors il faut savoir que c'est la première fois que je fais un costume de carnaval. Donc je suis très fière de moi. Voilà, voilà. J'ai fait ma coiffe. Donc ça va sur la tête comme ça. Il y a encore des trucs à rajouter dessus. Et je dois faire le haut aussi. Donc j'ai du boulot encore et je dois aussi faire le petit fignolage, donc découper les petits fils qui dépassent, etc., etc. Et après j'aurai fini. Bon, vas-y, je me donne 2 heures pour terminer le tout. Je suis trop fière de moi. Bon, le haut, finalement, je l'ai pas fait comme j'avais commencé à le faire parce que, à force de coller les bouts de tissu, il s'est rétréci et il est devenu trop serré. Donc, en fait, je l'ai coupé. J'ai coupé les coutures que j'avais fait et voilà, j'ai mis un petit truc pour l'attacher à la place. Mais voilà, je suis assez fière de moi. Donc, c'est bon, j'ai le haut, j'ai le bas. Attendez, je vais mettre le chapeau. Alors, voilà la tenue complète. Il y a encore des petits détails à rajouter, notamment sur le chapeau, devant là et devant là. Mais bon, je vais vous laisser un petit peu de suspense. Vous avez déjà vu le plus grand du costume, donc je suis assez fière de moi. J'ai tout fait toute seule. J'ai tout fait toute seule.
Salutations tout le monde. Alors le déboulé s'est extrêmement bien passé. Et là je vais à ma boîte aux lettres parce que j'ai reçu un colis et je pense qu'il va vous plaire. Alors on va l'ouvrir ensemble. Oula, je rêve. Il y a des fourmis dans la boîte. Il y a des fourmis dans mon colis, wesh. Bon, j'ai aucune idée de pourquoi j'avais des fourmis dans mon colis, mais voilà. Je me suis acheté un bullet journal capillaire. Il vient de chez Daily Air et franchement, il est super complet. Allez voir sur Instagram ou TikTok. Je ne sais pas encore, je vous mettrai le lien, mais je ferai sûrement un réel. Ensuite, sans transition, j'ai décidé d'aller à la plage. Bonjour à tous. Alors là, je suis en pleine préparation parce que je suis figurante sur un film aujourd'hui. Franchement, cette semaine, ça a été beaucoup de rebondissements. Enfin, de rebondissements. Beaucoup de choses. J'ai fait mon costume. J'ai déboulé. Là, on enchaîne direct sur un tournage. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est audiovisuel, cinéma. J'aime la beauté cosmétique, être devant la caméra, voir le derrière aussi, tu vois. Donc, tout ce qui concerne le cinéma, les shootings, les vidéos, ben, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, dès que je vois qu'il y a des castings, je m'inscris et puis je participe au tournage. Alors là, j'ai fait mes sourcils. Je vais faire un petit peu le teint pour cacher tout ce qui est taches. Cicatrices d'acné, etc. Je vais aussi mettre un petit peu d'anticerne pour cacher ça là. Je vais aussi défaire mes nattes. Et voilà, je vous montrerai ma tenue tout à l'heure. Bon, je vous montre vite fait ma tenue parce que je suis en retard comme d'habitude. Donc voilà. J'ai toutes mes affaires. Ça y est, on y est. On y va. Allez, vous pouvez sortir rapidement. Vous avez dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Je sors de la douche là et en fait, mon équipe, il a trop bien tenu. Il a trop bien tenu, je vais baisser la lumière.
J'ai passé une excellente journée. Voilà, le tournage s'est bien passé. Après, j'y retourne vendredi. Mais je pense que je vais arrêter le vlog juste ici. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu de me suivre. Franchement, je fais n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ce vlog qui s'est terminé en serviette après la douche? Bref, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vlogs. En tout cas, moi, j'ai aimé partager mon petit week-end avec vous. J'ai fait pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas filmer. Après, j'ai vraiment hâte d'avoir à nouveau une caméra. Parce que là, je filme avec mon téléphone. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir une caméra. Comme ça, je pourrais avoir plusieurs plans. Je pourrais vraiment vous embarquer partout. Parce qu'avec mon téléphone, c'est compliqué. Parce que faut que je réponde à mes messages en même temps. Faut que je fasse des stories sur Insta. Donc voilà. Mais je perds pas espoir. Et j'espère que bientôt, j'aurai une nouvelle caméra. Bref, assez de bavardage. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir regardé. Mettez j'aime, abonnez-vous. Et je vous fais de gros bisous.